toi les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, une fois de plus dans le Taz Atelier. Pour aujourd'hui, vous parler de petites choses un petit peu rigolotes, un peu sympas, mais qui évoluent. Voilà, on va revenir sur des petits engins Wi-Fi. Donc comme vous le voyez là, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Ce sera pas présenté aujourd'hui, mais aujourd'hui on va s'intéresser à un produit en particulier, mon petit Moulp. Le voilà, le petit Moulp, vous l'avez vu vite fait dans des outros certainement de mes anciennes vidéos. Pourquoi je l'appelle le Moulp? Parce que c'est moitié une mouche, moitié un poulpe, donc je l'ai appelé le Moulp. Bon, il l'appelle aussi le Squid, comme vous le voyez là, le Squid, donc un peu plus pieuvre hein, forcément. Certainement en rapport à ses pieds. Donc voilà, on s'approche des fêtes de Noël. Il va falloir tester des petites choses un petit peu rigolotes, un petit peu sympas, un petit peu pour les enfants, parce que ça va bien de nous trouver des jouets à nous, mais il n'y a pas que nous. Il faut penser aux enfants. Donc, je vous présente le Squid, le petit Moulp, je le kiffe. Personnellement, j'ai testé, voilà, et j'en suis fan parce que j'en suis fan. Si je me mets à la place d'un enfant ou d'un ado qui va tester ça, pourquoi j'en suis fan? Parce que le gros problème sur les appareils Wi-Fi généralement, c'est que on n'a pas la radiocommande. Sauf sur certains, comme sur le joli papillon qui est là. J'aime bien le petit butterfly. Mais on évolue vraiment. On évolue vraiment parce que les appareils sont de plus en plus fiables, de plus en plus sympas. Et surtout, les images sont de plus en plus propres, même en Wi-Fi. Donc, on commence à pouvoir prendre des photos qui ressemblent à des photos qui peuvent servir comme photos souvenirs. Pas comme la plupart de ceux qu'on a testés jusqu'à maintenant, où les photos, ça reste du gros pixel, quoi. Donc voilà. Alors, je vous présente le petit Moulp que je kiffe. Alors, j'ai été surpris parce que quand j'ai vu la description, c'est vrai que ça paraissait encore être un petit engin, un petit peu gadget, un petit peu plastique, avec des performances, on sait pas toujours ce que ça va donner. Là, mon contact m'a dit, écoute, tu vas être surpris parce que ces performances sont plutôt sympas. Et quand j'ai vu que c'était une batterie 2S à l'intérieur, je me suis dit, ils ont travaillé un petit peu. Alors, quelle ne fut pas ma surprise. Non, j'ai été surpris aussi en déballant. Déjà, en découvrant l'emballage, on a une super belle boîte. Contrairement à quelquefois des vieilles boîtes en carton toutes rabougries, là on a vraiment un bel emballage. Vous allez me dire, on n'achète pas pour l'emballage. Mais l'emballage veut dire quand même qu'il y a eu un soin à porter un engin. Moi, c'est ce que je pense. Donc, vous avez dans l'emballage une petite notice ici, tout en anglais, avec les explications, ou en chinois comme d'habitude, avec toutes les explications pour l'application, puisque là c'est un engin qui va se piloter avec un smartphone, mais innovation, vous allez voir. De la mousse, de la mousse, de la mousse. Dans la mousse, on a des hélices de rechange ici, pour notre petit engin, l'emplacement de l'engin. Et c'est tout ce qu'il y a, donc il est bien protégé. Vous aurez bien sûr le petit chargeur ici. Moi, j'ai marqué Fly Pro Moulp. Parce qu'en fait, c'est le Fly Pro. Mais on l'appelle bien comme on veut. Bref, le petit chargeur avec prise balance 2S pour charger en USB. Environ 1h15, 1h20 pour le charger. Donc, voilà pour l'emballage. On va mettre ça de côté pour l'instant. Et je vais vous parler du petit Moulp. Donc, le petit Fly Pro qui est là, a plusieurs avantages. Alors déjà, je vous l'ai dit, on va voir ça tout de suite, il a une batterie 2S ici, que j'ai branchée. Tac. Donc on est en 530 mAh 7V4 ici, avec une connexion JST qui est déjà branchée à l'intérieur. Donc je l'ai branchée, et ensuite vous commencez par brancher bien sûr la prise, et ensuite vous insérez la batterie. J'aime bien aussi, c'est qu'il y a de la place, on galère pas à l'enfiler. Pendant qu'on est dessous, donc on a 6 petits pieds ici, façon poulpe un petit peu, avec des petits tampons caoutchouc pour l'atterrissage. On a également un positionnement optique. On a une cellule optique ici, donc il va pouvoir se positionner et rester approximativement en place. Il va bouger légèrement, mais il va falloir de la lumière, puisque la cellule optique fonctionne aussi par rapport à la lumière, donc il va falloir un peu de lumière, j'espère qu'il y en aura assez aujourd'hui. En extérieur, c'est tout pourri aujourd'hui, donc on va surtout pas sortir. J'ai pas envie de le perdre. Donc cellule optique pour celui-ci, donc petit positionnement, c'est pas l'engin qui va aller drifter tout seul dans les murs ou dans les rideaux. Maman va être contente. Et on a également un petit nez ici, donc il a 4 gros yeux, donc on a bien des bleus à l'avant et des rouges à l'arrière, orange. Et on a ici une petite caméra qu'on peut orienter, vous voyez, vers le haut, en face ou un petit peu vers le bas,
selon ce qu'on veut prendre comme photo, bien sûr. Si vous voulez une petite photo plongeante ou une photo de face, vous allez pouvoir gérer ça. Donc c'est à articuler soi-même, hein. Vous ne le changerez pas à partir de l'application. Et puis ces petits bras par-dessus avec les hélices qui poussent comme ça. Donc bah, autant vous dire qu'il est protégé. Si vous allez taper au mur, vous aurez beaucoup moins de soucis, même si vous allez toucher au plafond. Les hélices n'ont aucune chance de taper, et si vous allez toucher un mur ici, bah c'est suffisant pour le repousser complètement. Vous allez voir, il est très très simple d'éviter de le rapprocher du mur. Donc pourquoi je l'aime bien pour un appareil Wi-Fi? Parce que il a un bon positionnement, il a une bonne résolution photo-vidéo pour un engin de cette taille. Donc vous n'avez pas la carte SD à l'intérieur, donc les photos vidéo sont sauvegardées dans l'application, dans le téléphone. Mais c'est quand même plutôt propre et vous allez le voir par vous-même. Donc bah écoutez, voilà, on a fait à peu près le tour de la question. Je vais vous montrer maintenant l'application. C'est une application que je trouve super sympa. Tous les drones qui fonctionnent sur une application devraient utiliser ce principe. Vous allez voir. Alors, le voilà. Donc je vais le mettre en route après. Mais d'abord, je vais vous montrer l'application. Alors, qu'est-ce que j'aime sur cette application? Voyez, c'est ces deux grosses empreintes-là. Voilà, hop, elles ont disparu. Donc, on va avoir sur l'appli quelques petites options, comme par exemple le panorama 360. Quand vous allez cliquer sur ce bouton-là, il peut pas voler. Ben oui, forcément, il n'y a pas de drone connecté. Donc, le 360 va être pour faire un panoramique. Le drone va tourner sur lui-même. Jusqu'à ce que vous lui donniez un autre ordre, vous allez même pouvoir le déplacer, il va continuer à tourner jusqu'à ce que vous désactiviez ce 360. Donc ça peut être sympa pour un panoramique, vous êtes quelque part, vous trouvez sympa, vous montez à 4-5 mètres, vous faites un panoramique et vous avez toute la vue. C'est assez intéressant, c'est beaucoup plus fluide, c'est assez lent, c'est beaucoup plus fluide que si vous faites une rotation vous-même, qui va pas être forcément très très fluide. On a également un track and play, c'est-à-dire que vous allez pouvoir hop, faire un dessin. Et quand vous voulez, vous lancez le dessin et il va automatiquement suivre le petit chemin que vous avez tracé. Si jamais il y a un souci, paf, vous faites pause, que vous vous rapprochez d'un mur par exemple, vous faites pause, vous sortez, automatiquement vous allez prendre le contrôle. Oui, regardez, c'est impressionnant. Partout où je touche, je prends le contrôle. Sauf bien sûr si je vais trop loin, là ça devient le throttle. Donc vous pouvez inverser les commandes, throttle à droite, throttle à gauche. Ici, tac, dans les paramètres, left ou right throttle. Self timer, c'est pour avoir un délai sur la photo, la calibration du gyroscope, du sensor, et puis la version, on s'en fiche. Mais donc, ce que je vous disais, c'est ça. L'intérêt ici, là vous avez compris, photo, vidéo, vitesse 100%, et aller dans la liste de lecture, dans ce qu'on a enregistré. Là vous avez le pilotage avec hop, le sensor, le gyro, et puis décollage, atterrissage automatique. Alors, ce que je kiffe sur cette appli, c'est que n'importe où vous allez poser les doigts, vous allez prendre le contrôle de l'appareil, tout simplement. Et moi, je pense que toutes les applications devraient être comme ça, parce que quand vous ne regardez pas, eh ben, vous ne savez pas si vous tapez en plein milieu de l'appli, en plein milieu du cercle qui est là habituellement pour prendre le contrôle. Là, dès que vous touchez, eh ben, vous contrôlez l'appareil. Eh ben, c'est ce qui permet d'avoir une maîtrise totale de l'engin, sans qu'il se barre sans arrêt, parce qu'on est sans arrêt en train de regarder l'appli, le drone. Là, vous pouvez piloter en regardant que l'appareil, vous aurez forcément les doigts dessus. Tout l'intérêt sur ce drone et sur cette application, c'est justement de pouvoir avoir ce tactile, ce toucher en direct. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Pour moi, tous les drones Wi-Fi se pilotant par une tablette ou un smartphone devraient être équipés de ce mode-là. Allez, on se le met en route et on va voir tout de suite comment ça se passe. Donc j'ai inséré la batterie, simplement à maintenir ce petit bouton pendant 2-3 secondes. Tac. Et l'appareil se met en route. On va mettre tout de suite la caméra en face. On va aller se connecter à la Wi-Fi, bien sûr. Parce que là, je vous avais sorti l'appli, mais je n'étais pas connecté. Tac. Mode Wi-Fi. Le Fly Pro apparaît tout de suite. On peut ressortir. Et là, on va se connecter à l'application. Tac. C'est parti. Voilà, nous sommes connectés. Nous avons le retour vidéo. Donc, regardez déjà sur la tablette. Vous avez vu ? La qualité de la vidéo, c'est carrément propre par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Salut ! Tac ! Donc, on va lancer tout de suite l'engin.
C'est parti. Alors la voiture qui est là, c'est le montage FPV. La voiture m'a été envoyée par Fredo de FPV Passion. Je vous en parle très bientôt, rassurez-vous. Elle est bien modifiée, hein. Elle est faite exprès pour le FPV celle-là. Sans la caméra qui est dessus, bien sûr. Alors une fois qu'on est là, bah écoutez, on va déjà se faire une calibre. Tac, tout simplement. Détermine. Alors une chose qui est bien aussi, c'est qu'il demande une confirmation. Dès que vous demandez par exemple un décollage ou une calibration, il vous demande de confirmer. Donc là c'est parti pour le décollage automatique. On confirme et c'est parti. Là. Alors on va baisser. Tac. Alors regardez ce que je vous disais. Voilà tout l'intérêt de cet appareil, c'est ça. C'est donc le positionnement optique, regardez, dès que je lâche le bouton, il veut absolument se positionner. Il veut absolument rester en place à cet endroit-là et il ne bougera pas. On va attaquer tout de suite le panoramique à 360. Non, on va se faire une petite photo d'abord. Alors, une rotation, regardez, hop. Tac. Donc là, on est positionné en face de nous. Il cherche sa position. Voilà, il l'a trouvé. On va envoyer une photo. Tac ! Souhaite accéder à vos photos. Alors, faut pas être trop bas, bien sûr. Tac ! On va se positionner. Ici, on va pas être mal. Voilà pour une photo. Voilà, donc vous aurez la qualité des photos. Je vais lancer une petite vidéo. Donc là, ça enregistre. C'est parti, on a le clignotement qui se fait là. Et automatiquement, le drone va faire un petit panoramique. Vous voyez ? Donc on a les images en direct. Et le drone qui fait son 360, tranquillement. Voilà, il va arriver sur nous. Et on peut arrêter le 360. Je remonte un peu. Tac ! Et voilà, et il se stabilise. Donc très bon rendu quand même pour la vidéo. Et c'est ce que je vous disais, voyez la stabilité de l'engin. Donc maintenant, on va pouvoir monter un peu la vitesse. Hop, et aller faire une petite balade. Rotation. Tac, et c'est parti pour une promenade. Et alors là, je ne perds pas le contrôle. Tout simplement parce que partout où je vais toucher, je vais récupérer mon contrôle, tout bêtement. Et c'est vraiment tout ce qui manque sur les applications généralement. Voilà, vous avez vraiment un contrôle total de l'appareil. Viens nous voir. Vous voyez, c'est très précis. On va faire bouger les ailes du papillon. Donc voilà, engin super précis. Personnellement, je trouve ça super sympa. On peut enfin piloter un engin parce qu'on ne perd pas sans arrêt la connexion avec les pouces. Tac, sans problème. Voilà, donc vous aurez compris tout l'intérêt de ce petit appareil, c'est son positionnement. Voilà, là j'ai lâché les commandes, je le laisse faire tout seul, et il se positionne et il attend vos ordres, tout simplement. On peut piloter d'un doigt, ici. Allez, à droite, à gauche, hop. Et on va le faire revenir pour l'atterrissage. On va reprendre un peu d'altitude, hop, voilà. Attention pour l'atterrissage. On appuie ici. Tac, il est posé. Alors, on va quand même se tester le petit mode dessin. Puisque je vous disais, il y a un mode tracking, un mode dessin sur celui-ci. Tac. Décollage à nouveau. On prend le contrôle pour descendre en altitude. Tac. On va le pousser un peu. On va se mettre à peu près au milieu de la pièce. Tac, ça tourne bien en 2S. Hein. Oh, j'adore ces petits yeux. Regardez ça. Il y a vraiment une bonne petite lumière. C'est assez sympa. Tac. Alors, on va tester ce mode dessin. Alors, vous faites attention parce que l'amplitude est assez importante. Regardez. Je vais faire des petits grisouillis. Tchac, 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 tchac. Et c'est parti. Hop. 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 Et c'est fini. Je récupère le contrôle. Viens là, bonhomme. Yeah ! Tac !
On va se refaire un petit dessin. On va se faire un petit rond cette fois-ci. Un petit rond. Tac. Il pousse. Ah, il fait un rond mais carré en fait. Ah, je récupère le contrôle pour le ramener. Hop là. Alors si je le mets au milieu ici. Hop là. Ah, il s'est posé. Ça y est, c'est la fin de batterie les amis. Bon bah écoutez, au moins on aura pu tester ce petit mode flying. Allez, retour au TAS Atelier. Donc voilà les amis, bon, environ 5 minutes de vol avec ce petit engin. Et bah, comme vous l'avez vu, je vous ai dit des photos plutôt propres. On va s'en faire une de face là. Hey hey! On verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ma revue sur ce petit Fly Pro, ce petit squid, ce petit moulpe comme j'aime à l'appeler. Ben voilà, franchement, je suis satisfait, je suis content. J'aimerais bien que toutes les drones qui sont pilotables à partir d'une application aient ce principe de touch, j'ai envie de dire. Dès que vous touchez, vous avez chopé le contrôle. Je trouve ça génial. Donc voilà, bah écoutez, pour les fêtes de Noël par exemple, pour les filles, pour les jeunes, ou pourquoi pas pour maman, si elle aime les poulpes. En attendant, moi je valide. Voilà, c'est un engin que j'aime bien, qui vole plutôt bien, qui fait des belles petites photos en Wi-Fi. On va quand même pas comparer ça à du Full HD, mais vraiment satisfait de ce petit engin. Donc, encore plein de nouveautés pour vous. Le petit diamant JJRC, le petit papillon qui est là, la petite voiture là-bas, et comme vous l'avez vu sur Facebook, encore des beaux petits appareils qui vont nous rejoindre, que ce soit du racer FPV bien puissant ou alors des beaux petits engins spécial selfie avec cette fois-ci des grosses résolutions en 1080p. Vous allez voir quand même, on devrait avoir des belles petites choses pour Noël, je pense. Allez, moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.